Je m'appelle Annick, je suis étudiante en génie chimique. Ce que j'aime le plus à propos de mon programme, c'est que je peux vraiment travailler en équipe. Je peux apprendre de nouvelles choses. J'ai plein de professeurs super dévoués qui sont toujours prêts à me donner de leur temps pour m'aider à peaufiner mon apprentissage. Donc, je trouve ça vraiment motivant de voir le côté théorique, mais aussi voir le côté pratique en laboratoire. Je suis Clémence Rotulefebvre, je suis professeure adjointe en génie chimique à l'Université d'Ottawa. Quand j'ai pris la décision d'étudier en génie chimique, je cherchais une profession qui me permettait de travailler en environnement, puis à trouver des solutions aux problèmes environnementaux. J'ai eu l'opportunité de faire un stage l'été passé à Montréal, chez L'Oréal. J'ai travaillé en cosmétique active comme ingénieure de fabrication. J'ai vraiment eu la chance de travailler sur plein de procédés, entre autres le lavage des cuves pour la fabrication de shampoing. Je serai bientôt stagiaire chez Rio Tinto en fabrication d'aluminium. Ça va être une deuxième expérience pour moi que je vais pouvoir ajouter à mon parcours. J'aime aussi qu'il y a plusieurs domaines d'application. Donc, on peut travailler en pharmaceutique, on peut travailler en biocarburant, on peut travailler dans le domaine agroalimentaire. Donc, ça touche à plusieurs choses. Si tu aimes les sciences, si tu aimes la chimie, si tu aimes les mathématiques, si tu aimes résoudre des problèmes puis travailler en équipe, le génie chimique, c'est vraiment une profession qui va te permettre de faire tout ça. Ça va aussi te permettre de vraiment avoir un impact dans la société et de participer à résoudre des problèmes environnementaux, des problèmes de société qu'on a à l'heure actuelle. Le conseil que j'aurais à donner aux étudiants qui seraient intéressés par le génie chimique, ça serait vraiment de te faire confiance, de foncer. C'est tellement une belle profession, il y a beaucoup d'opportunités de carrière par la suite, puis se rappeler pourquoi on commence ce diplôme-là. Donc, c'est une chance d'aller à l'université, c'est un choix personnel aussi. Puis si tu te rappelles de ça tout le long, bien, je pense que la réussite à la fin de tout ce parcours-là, ça vaut vraiment la peine.